Et n'hésite Enfin, pas, tant qu'il n'y a pas. dis-moi, c'était le test Covid test. Vous faites ça. Hey!
Vraiment à la demande, Tu sais, tu sais. C'est très beau. Ça glisse. Le jus de la joie. Je voulais juste vous remercier de la saison qu'on a passée ensemble. Vous avez fait une saison extraordinaire. Il y en a, ça fait 2 ans que je travaille avec certains, d'autres qui sont arrivés, qui nous ont rejoints. Tout le monde a été dans le même moule. Et franchement, je tenais à vous remercier parce que ce que vous avez fait cette année, c'est vraiment grandiose. Bravo à tout le monde, même ceux qui ont peut-être un petit peu moins joué. On essaye d'être juste avec tout le monde. Et félicitations pour le titre parce que c'était pas facile. C'était pas facile cette saison. Félicitations à tout le monde. Ouais ouais ouais
On sait que ça fonctionne bien déjà. Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct de l'Hôtel de Ville pour la cérémonie de remise du trophée Ligue 2 BKT à l'Estac, championne en titre de la saison 2020-2021. Circonstances exceptionnelles obligent, cette cérémonie est opérée dans le strict respect des contraintes liées au protocole sanitaire. Nous allons tout d'abord remercier la ville de Troyes, son maire François Barouin et ses équipes pour l'accueil et la mise à disposition de la très belle salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Nous remercions également la Ligue de football professionnel, son président Vincent Lindbrune, ici présent, ainsi que son directeur général Arnaud Rouget et ses équipes pour leur participation à la bonne tenue de cet événement. Nous allons désormais procéder à l'appel des champions de France de Ligue 2 BKT, édition 2020-2021. Afin de respecter au maximum les gestes barrières, nous inviterons chaque appelé,
Je ne sais pas s'ils m'entendent tout là-bas, mais en tout cas, nous inviterons chaque appelé à se saisir de la médaille de champion présente sur le desk et à l'installer autour de son cou. Pour remettre maintenant les médailles et le trophée de Ligue 2 BKT, j'invite M. Vincent Labrune, président de Ligue professionnelle de football, à prendre place sur le podium. Et donc, nous démarrons avec monsieur le président de l'association ESTAC. Je vous demande d'applaudir Philippe Coudreau. Ensuite, monsieur le directeur général et président exécutif de l'ESTAC, Aymeric Magne. Et enfin, monsieur le maire de Troyes et président du Troyes-Champagne Métropole, je vous demande d'applaudir François Barouin. Excusez, monsieur le président du conseil départemental de l'Aube qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, Philippe Pichery. Et donc nous démarrons avec le staff médical de cet effectif 2020-2021 de l'ESTAC. Je vous demande d'applaudir le kinésithérapeute, autant pour moi, du club, Aurélien Gauthier. Autre kiné du club, kiné, c'est plus court à dire et c'est un peu plus simple. Autre kiné du club, je vous demande d'applaudir Stéphane Puech. On enchaîne avec un autre kiné également, je vous demande d'applaudir Maxime Girard. Et enfin, quatrième kiné, Guillaume Lapasserie. Et enfin, le médecin du club, je vous demande d'applaudir Philippe Burry. Place maintenant au staff de l'ESTAC. Je vous demande d'applaudir l'intendant Loïc Châtelain. Enfin, faisant partie du staff technique, je vous demande d'applaudir Sladjan Djoukic. Assistant performance, Mathieu Dubarry. Assistant technique, Stéphane Darbion. Analyste vidéo, Romain Brott. Team manager, Mohamed Bradja. Préparateur physique, Pascal Faure. Entraîneur des gardiens, Johan Yebus. Entraîneur adjoint, Damien Hott. Et enfin, l'entraîneur de l'ESTAC, je vous demande d'applaudir, Laurent Batless. Place maintenant aux joueurs de l'ESTAC. On va démarrer par nos gardiens de but. Je vous demande d'applaudir le numéro 1, Ryan Boilac. Gardien de but également, numéro 16, Sébastien Reynaud. Et enfin, toujours gardien de but, le numéro 30, Gauthier Gallon. Nous allons monter d'un cran, on va passer maintenant au défenseur. Je vous demande d'applaudir le numéro 13, Gabriel Mutombo. Numéro 17, Johan Salmier.
Numéro 19, Walid et la Jam. Numéro 23, Stone Mambo. Et numéro 25, Terence Baya. Place maintenant au milieu de terrain, je vous demande d'applaudir le numéro 3, Kemelo Engena. Numéro 5, Tristan Dingomé. Numéro 6, Rominigué Kwame. Numéro 10, Florian Tardieu. Numéro 14, Dylan Chambaud. Numéro 15, Ryan Raveloson. Numéro 18, Calvin Bombo. Numéro 20, Rui Pires. Numéro 27, Brandon Dominguez. Numéro 28, Maxime Barthelmé. Numéro 29, Karim Azamoum. Et numéro 31, Philippe Krastev. Place maintenant aux attaquants de cet effectif. Je vous demande d'applaudir le numéro 9, Yunjun Suk. Numéro 11, Lenny Pintor. Numéro 12, Lévi Lumeka. Numéro 24, Alimani Gori. Numéro 26, Dylan Saint-Louis. Et enfin, numéro 39, Umut Bozok. Nous allons appeler maintenant le vice-capitaine de cet effectif attaquant. Je vous demande d'applaudir le numéro 7, Johan Tousgar. Et enfin, le capitaine de cet effectif, je vous demande d'applaudir défenseur numéro 8, Jimmy Giraudon. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, de bien vouloir applaudir champion de France Ligue 2 2020-2021, l'équipe de l'Estac. And everything that goes with it. I
Alors, nous allons inviter les joueurs à se diriger vers le photocall, vers le fond, avec le trophée, excusez-moi, avec le trophée. Voilà, j'invite les joueurs, le staff, à se diriger au fond de la salle. Et j'invite les personnes ici présentes à bien vouloir se diriger dans la salle juste à côté, salle de réception, où aura lieu dans quelques instants remise de trophée par la ville de Troyes. Voilà, je vous invite à vous diriger dans cette salle juste à côté, pendant que les joueurs pourront aller devant le photocall.
Champion, mon frère! Vamos! C'est pour le père, ça. C'est pour...
quelques supporters à la fenêtre. On a ouvert une là, si vous voulez montrer le trophée à la fenêtre. Il y a quelques supporters dehors. Les 5 de 3, les 5 de 3, les 5 de 3, les 5 de 3,
Attends, Momo, je te fais, etc. Rentre tes galons. Il y a 1000 photos. Tu fais pas de photos. T'as rien. Vas-y. C'est classe. Let's go!
je fais ce que tu veux de visuel. Regarde le plein, dis-moi si c'est bon. Allô. Le jus, ça, c'est de le jus de la Ligue 1, voilà. Le jus, ah, je sais pas, mais c'est un jus spécial. Vraiment à la bonne. Tu sais. C'est très bon. Ça glisse. Le jus de la joie. Je voulais juste vous remercier de la saison qu'on a passée ensemble. Vous avez fait une saison extraordinaire. Il y en a, ça fait 2 ans que je travaille avec certains, donc qui sont arrivés, qui nous ont rejoints, tout le monde a été dans le même moule. Et franchement, je tenais à vous remercier parce que ce que vous avez fait cette année, c'est vraiment grandiose. Bravo à tout le monde, même si on peut être un petit peu moins joué, on essaye d'être juste avec tout le monde. Et félicitations pour le titre parce que c'était pas facile cette saison. Félicitations à tout le monde.
Alors, j'invite les joueurs effectifs de l'Estac, s'il vous plaît, joueurs staff, à bien vouloir venir sur le podium, s'il vous plaît. Attends. Il y a Benjamin qui me dit d'aller de l'autre côté. Vas-y. Je bouge. Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue en direct de l'hôtel de Ville pour la cérémonie de remise du trophée de Ligue 2 de Gaté à l'Estac, champion en titre de la saison 2020-2021. Circonstances exceptionnelles obligent, cette cérémonie est opérée dans le strict respect des contraintes liées au protocole sanitaire. Nous allons tout d'abord remercier la ville de Troyes, son maire François Barouin et ses équipes pour l'accueil et la mise à disposition de la salle des fêtes. Je vais maintenant donc laisser la parole à Monsieur François Barouin. Je peux encore parler. Bon, merci de vos encouragements. Je voudrais vous dire, cher Aymeric Magne, cher Laurent Batless, messieurs, mesdames, messieurs, en ayant salué notre député, conseil régional, en ayant salué avec beaucoup d'affection, de respect, d'amitié et de fidélité Daniel Mazzoni, son épouse, qui ont fait le voyage du Portugal pour nous rejoindre, en ayant salué tous les partenaires institutionnels de l'Estac, tous les sponsors évidemment, je vais vous dire à quel point vous êtes accueillis ici dans votre maison, la maison commune, à bras ouverts, avec une immense fierté, avec un très grand respect pour le travail professionnel que vous avez accompli, et avec la conviction d'un message humble, mais si déterminé, de la part de tous les Troyens qui n'aiment ou qui n'aiment pas le football, qui suivent ou qui ne suivent pas les résultats des stats, de dire que vous êtes le premier vrai grand rayon de soleil apporté depuis un an sur la ville de Troyes, sur les épaules des habitants de l'agglomération et sur le rayonnement de notre département. Rien que pour cela, nous voulions du fond du cœur déjà vous dire merci. Et là, vous pouvez applaudir, évidemment.
pas eu le temps de répéter, du coup on a un peu de décalage entre les remerciements, la reconnaissance et évidemment les applaudissements. Je voudrais, si vous me le permettez, cher Emery, me tourner d'abord vers vous, Laurent Mathlès. Pour ceux qui suivent le football, et pour ceux qui, comme c'est désormais mon cas, sont un peu avancés au compteur de la vie, sans tout à fait compter les points de retraite, mais en ayant déjà une solide expérience d'un passionné de football depuis les années 70, Laurent Mathlès, quand il est arrivé à Troyes, pour moi, et comme pour beaucoup de passionnés de football, c'était d'abord et avant tout un formidable footballeur, un merveilleux milieu, solide sur l'homme, comme l'on dit, sans faire des tacles à la hanche, une technique remarquable, un charisme, une personnalité, un rayonnement. Laurent Mathlès a fait partie des grands footballeurs de sa génération qui ont marqué leur temps, et pour les supporters et les passionnés de foot, ça a été une grande joie et une grande fierté lorsque Daniel Mazzoni vous a choisi pour présider aux destinées de la conduite de l'entraînement sportif du club professionnel de l'Estac. Il y a eu la saison dernière qui était pour vous une première, qui était pour nous également une première, puisque la saison s'est arrêtée, vous étiez aux portes de la possibilité des barrages. D'ailleurs, de mémoire, 15 jours plus tôt, vous auriez pu peut-être accéder directement. À la lumière de l'histoire, je me demande si la montée n'est pas meilleure cette année pour le club, pour l'équipe, pour vous et pour les joueurs. Nous avons déjeuné avec le président de la Ligue nationale de football, le Covid, les circonstances si singulières, des matchs sans public, le cadre général du retrait d'un diffuseur, qui crée aussi une incertitude sur le plan financier, a créé les conditions pour l'entraîneur que vous êtes avec votre club professionnel, votre équipe professionnelle, vos joueurs professionnels, d'une certaine instabilité, mais qui a été surtout l'entrée dans un nouveau monde. Ce nouveau monde, ça a été de mener une campagne de football avec une exigence technique, une volonté d'obtenir des résultats, un objectif partagé, sans jamais être avoué en début de saison, mais toujours dessiné en contour, et une audace sur le plan technique, car avoir offert un spectacle depuis, si j'ai bien compris, les circonstances de l'expulsion qui vous a amené à obtenir un 0-0 face de mémoire à Valenciennes, et qui a modifié ensuite votre schéma de jeu, qui était certainement aussi dans votre formation et dans les plans que vous aviez déjà décidé. Mais c'est souvent au pied du mur de ces responsabilités que l'on a cette audace d'aller sur ce terrain-là. Trois défenseurs tournés vers l'avant, et pour obtenir en fin de saison, quand même, quand on regarde bien dans le détail, le plus grand nombre de victoires, le plus faible nombre de défaites, et le nombre de matchs nuls qui montrent que c'était la volonté de gagner. Et avec ce schéma de jeu, avec vos joueurs, avec certainement les mots pour le dire, avec dans toutes ces générations de grands professionnels de footballeurs qui porteront haut et fier ce titre magnifique de champion de Ligue 2, vous êtes parvenu à offrir une démonstration à tous les étages. Le premier, c'est qu'un club qui n'est pas Lyon, Monaco, Marseille, Paris Saint-Germain, j'espère ne pas en oublier, mais en réalité, il y a un Big Four, il n'y a pas véritablement un Big Five, à partir du cinquième, même si c'est Lille qui est champion, tout est possible. Avoir offert ce schéma de jeu, c'est quand même une grande leçon de football que vous avez proposée aux 40 clubs professionnels. Avoir réussi à obtenir ce titre et cette accession dans ces conditions si difficiles, si exigeantes, c'est la leçon d'un immense meneur d'hommes, d'un passionné de la technique et d'un très grand professionnel qui est juste à l'aube de sa carrière. Mais l'aube, ça peut durer longtemps. C'est pas forcément toujours une saison, c'est pas toujours deux saisons, ça peut être plusieurs saisons, mais je m'élève au-dessus d'une condition qui n'est pas la mienne. Et vous êtes également rentré dans l'histoire, d'une certaine manière, comme étant l'un des entraîneurs les plus récents dans cette qualité d'entraîneur national, ayant obtenu des résultats aussi spectaculaires avec un jeu aussi séduisant et avec une vraie volonté offensive qui redonne son sens à ce sport absolument magnifique. Charles-Laurent Mathlès, je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux et fiers de vous connaître, de croiser votre chemin. Et je veux dire également qu'en termes de communication, c'est un exercice si difficile. Sous la pression, juste après un match, quel que soit le résultat, trouver les mots pour le dire, avec la distance nécessaire. Cela veut dire que cette logique de contrôle, elle est aussi sur le terrain qu'en dehors du terrain. C'est un vrai, bon et grand modèle que vous offrez, évidemment, à vos contemporains de ce métier. Mais c'est aussi un vrai, beau et grand modèle que vous avez offert à tout un public qui vous a soutenu tout au long de cette saison. Je veux dire à travers vous également, à tous vos joueurs, combien nous les avons suivis. Combien évidemment les magnifiques récompenses pour les meilleurs gardiens, pour les membres de l'équipe type, d'une certaine manière rayonnent sur
la totalité des membres du club pro de l'Estac, que cette page-là, elle s'écrit d'ores et déjà dans l'histoire, c'est si difficile d'avoir des titres. Et le club de l'Estac, désormais, peut se targuer, grâce à vous, d'avoir une ligne supplémentaire après une coupe Gambardella, après une coupe Intertoto. Et c'est l'occasion pour moi de saluer les illustres anciens. Alors, il y a le divin Chou au fond de la salle. On le reconnaît, on va lui demander de se lever, Benjamin Nivet, le plus capé, celui qui a marqué le plus de buts pour l'Estac. Il est là, fidèle au rendez-vous, et avec tous les anciens, et, bon, je ne veux pas tous les saluer, mais je crois que la génération qui se lève, qui demande un espoir, qui a déjà montré des résultats, s'inspire honorablement et durablement des grands professionnels que vous avez été, qui ont éclairé dans les années 90 et 2000. Les lumières et les projecteurs de l'Estac et du Stade de Londres. Dire à ce club, évidemment, que nous lui souhaitons la bonne réussite. En tout cas, ils ont et ils sont désormais dans l'histoire. La singularité, naturellement, de cette remise est toute particulière. C'est la première fois, je crois, qu'un titre se remet dans un hôtel de ville. Mais là, c'est aussi la fin de l'histoire, d'une certaine manière, de cette période Covid pour le foot. C'est également tout à fait singulier et particulier de se retrouver quelques heures après le dernier match de la saison sous cette configuration. En général, on le fait au stade et tous ensemble. Cette fois, ça restera là aussi, là encore, dans l'histoire. Et enfin, je voudrais dire que et la présence de Daniel Mazzoni nous permet aussi de montrer que, comme tout, dans une ville, un club, il y a des périodes de naissance, des périodes de croissance, des périodes de maturité, des périodes de construction, de reconstruction. Nous en avons connu ensemble. Daniel Mazzoni a eu le courage d'apporter sa filiation et sa fidélité à ce sport dans ce club qui était en national. Il a produit les efforts nécessaires, courageusement, il a choisi les hommes. Et puis, l'an dernier, ce choix a été fait, qui amène aujourd'hui à avoir une conscience très claire de ce qu'est le football de demain. Et le football de demain, ça veut dire une très grande exigence de qualité sportive, une ambition globale, des moyens financiers. Et ces moyens financiers, avec ce qui se passe avec le Covid, le retrait de Mediapro et les problématiques de billetterie liées au fait que les stades étaient vides, créent les conditions en fait d'une redistribution des cartes. Et c'est pour cela qu'il fallait aussi beaucoup d'audace et beaucoup de courage pour accepter dans une vision partagée de confier les destinées d'un club comme l'Estac à un groupe global, mondial, peut-être le seul, qui a cette vision globale et mondiale, avec des vrais professionnels qui sont passionnés de football, qu'Emeric représente, et il sera accompagné avec toutes les équipes, et qui va naturellement faire basculer l'Estac dans une autre dimension, mais il faudra toujours conserver, comme disait Victor Hugo, cette fleur que nul ne saurait cueillir dans notre cœur, et cette fleur que nul ne saurait cueillir dans notre cœur, c'est d'abord l'histoire de la ville. C'est une ville au niveau revenu fiscal moyen inférieur à la moyenne nationale, à la sociologie douloureusement éprouvée par la désindustrialisation au moment du textile, mais à la passion du foot intacte qui a brassé des générations et des générations de supporters, comme elle a brassé des générations et des générations de footballeurs. Et cette âme-là, cette identité-là, elle honore le football professionnel, elle honore les centres de formation, je salue le président Pro, et elle honore évidemment le club par ses résultats qui aujourd'hui font, sous la houlette de Laurent Batless et de ses joueurs magnifiques, le champion de France de Ligue 2 et le nouvel accédant en Ligue 1. Bonne chance à toutes et à tous, et puis bonne chance à vous. Merci. Je vais, au nom du conseil municipal de la ville de Troyes, au nom des Troyens, vous remettre le cœur de Troyes. Je disais tout à l'heure à Vincent Labrune, il me dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors je lui dis « on ne fait pas de médecine parallèle ici, c'est une œuvre d'un artiste local qui se trouve justement au cœur de Troyes, dans les quais rénovés, à quelques encablures de l'hôtel de ville, à quelques pas de la cathédrale, et qui est aujourd'hui l'emblème de la ville. Vous l'avez bien mérité. » Difficile de parler après un discours comme l'a fait monsieur le maire, notamment dans l'élocution, vous savez que c'est quelqu'un de très grand. Pour ne pas faire d'impair, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans cette salle, comme ça je n'oublierai personne, ce sera plus facile pour moi. Je vais déjà aussi remercier mon staff,
Je vais remercier aussi tous les joueurs parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est malgré tout grâce à eux. Bien sûr, les dirigeants, les salariés, bon allez, je vais me lancer, les salariés, les supporters, le centre de formation, toutes les personnes qui font partie intégrante de notre club. Ça n'a pas été une année facile pour tout le monde et aujourd'hui, on est arrivé à faire quelque chose malgré tout de grand, mais c'est aussi grâce à vous et grâce aussi à toutes les installations, à toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour nous donner les meilleures conditions possibles pour travailler dans de bonnes factures. Voilà, donc je vais quand même pour finir, parce que je ne vais pas faire un discours aussi merveilleux que ce que vient de faire M. le maire, je vais remercier quand même Daniel Mazzoni et sa femme qui m'ont permis de venir ici, dans cette belle ville, que j'ai appris aussi à connaître. Et c'est grâce à eux aussi si aujourd'hui je grandis dans mon rôle d'entraîneur avec beaucoup d'humilité, comme on a essayé de faire, de créer tout au long de l'année, avec beaucoup de cohérence et beaucoup de respect des autres. Voilà, je tenais juste à vous remercier encore une fois pour l'accueil que vous m'avez donné ici à Troyes. Merci. Alors, nous allons désormais procéder à l'appel des champions de France de Ligue 2 BKT édition 2020-2021. Un trophée individuel va être donné par Monsieur le maire, Monsieur François Baroin, à chaque membre du staff. On va les appeler un par un. Ils vont descendre et récupérer leur trophée. Je vous demande d'applaudir. On va démarrer par le staff médical, kinésithérapeute Aurélien Gauthier. Autre kiné, je vous demande d'applaudir Stéphane Pech. Kiné également Maxime Girard. Et enfin Guillaume Lapasserie. Médecin du club, je vous demande d'applaudir Philippe Gueré. Au stade, je vous demande de voir comment Louis Châtelain. Dans le stade technique, Sajan Tchouki. Assistant performance, Mathieu Dubac. Assistant technique, Stéphane Darreux. Analyse de vidéo, Romain Boite. Team manager, Ramel Pradja. Entraîneur adjoint, Damien Patel. Et enfin, l'entraîneur Laurent Mathès.
Très émus de vivre pour profiter de gauche du Lunel, c'est pas toujours. Donc
Merci beaucoup pour la séance. Merci au staff technique. Merci au staff médical. Je pense qu'on peut terminer au staff médical. Les membres de la CSC, et j'ai fait une transition qui est un peu bizarre, c'est que j'ai remercié toutes les familles. Donc, personnellement, je sais, ma famille, je remercie. Le football, c'est une passion, week-end, soir. Je sais que tout le monde a travaillé tout le temps, et que parfois, il faut aussi remercier les familles qui souffrent parce qu'il n'est pas assez présent. Donc, les familles des USA, les familles des joueurs, les familles de la CSC, de l'association, merci à tous, c'est super pour passer un message. Donc voilà, et ça, on est beaucoup aujourd'hui. Donc, merci à tous et vous allez bien pour les prochaines. Lui aussi entré dans l'histoire de la ville, puisqu'il est désormais le plus rapide président de la Ligue 1 en l'espace de deux jours. Et donc voilà, pour eux, dans les nouvelles associations qui sont les vôtres, le cœur de la ville passera également à l'espace de votre bureau. Soyez les bienvenus. La réussite d'un écran de l'équipe du CIMO ne soit pas une de la système de l'espace personnel en compétence. La station de Patrice Morel, qui était l'un des partenaires, qui a eu cette capacité d'ouvrir en quelque sorte les discussions. Monsieur l'ambassadeur également qui représente le fond et dire que ce sera une seule et une même histoire. Et ce cœur-là, en tout cas, nous allons en parler, c'est que, au fond, c'est l'association à laquelle on ne répond pas, tout le monde est vraiment très fier d'être à nos côtés. Nous, ce que vous voulez, et c'est d'autant plus vrai que, ayant appris à les connaître, les gens qui gagnent à être connus, ils gagnent à être connus. Et nous, faites preuve en partie de ceux qui gagnent à être connus. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois dans ce temps. Merci beaucoup. Nous tenons à remercier toutes les personnes ici présentes aujourd'hui. Merci aux joueurs, encore une fois, au staff, à tous ceux qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait vibrer une ville entière cette saison. Et pour une dernière fois, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir le champion de France Ligue 2 BKT, les Stacks. Les gars, c'est bon! Les gars,
De la saison qu'on a passée ensemble. Vous avez fait une saison extraordinaire. Il y en a, ça fait 2 ans que je travaille avec certains, d'autres qui sont arrivés, qui nous ont rejoints. Tout le monde a été dans le même moule. Et franchement, je tenais à vous remercier parce que ce que vous avez fait cette année, c'est vraiment grandiose. Bravo à tout le monde, même ceux qui ont peut-être un petit peu moins joué. On essaye d'être juste avec tout le monde. Et félicitations pour le titre parce que c'était pas facile. C'était pas facile cette saison. Félicitations à tout le monde. Thank you.